C'est un mythe et un mystère qui reste sans réponse, mais les terriens aimeraient bien savoir si dans notre galaxie, il existe une autre forme de vie. En tout cas, voici une découverte de plus et donc un élément de réponse supplémentaire. Une équipe internationale d'astronomes affirme avoir trouvé une planète hors du système solaire où toutes les conditions pour la vie seraient réunies. Manuel Tissier. Une cousine très éloignée. Voici à quoi pourrait ressembler Kepler-186f. Ces images de synthèse fournies par la NASA décident une découverte majeure de l'astronomie, la planète la plus ressemblante à notre Terre. Selon les scientifiques américains, elle se trouve à plus de 4 millions de milliards de kilomètres. De la même taille que la Terre, elle tourne autour de son étoile en 130 jours et à une distance idéale pour n'être ni trop chaude, ni trop froide. On voit que la vue d'artiste représente cette planète avec des océans, des continents, des calottes polaires ici. Une équipe bordelaise est associée à la NASA. Elle avait déjà répertorié une vingtaine de planètes dans des zones habitables. On n'a jamais découvert d'exoplanète si petite dans la zone habitable. Elle a une taille si petite qu'on est pratiquement sûr qu'elle soit de nature rocheuse, donc un peu comme la Terre. Les chercheurs français et américains ont analysé les informations transmises par un télescope spatial. Lancé en 2009, cet appareil ne fait qu'enregistrer la lumière émise autour de la planète. Mais dans 10 ans, les télescopes pourront peut-être distinguer sa surface. Pour l'atteindre en revanche, mission impossible. Le voyage prendrait 20 millions d'années. Kepler-186f se trouve donc, comme vous venez de le voir, dans une zone habitable. Cette zone habitable est représentée en vert sur ce schéma. Vous avez la Terre, ici, qui se trouve dans la zone habitable qui entoure le Soleil, notre étoile, et Kepler-186f qui se trouve dans la zone habitable qui entoure l'étoile de son système. Une zone habitable, c'est donc une région d'espace dans laquelle les conditions sont favorables à l'apparition de la vie. On connaît aujourd'hui beaucoup d'exoplanètes qui sont situées dans des zones habitables, mais on ne sait pas si la vie y existe.